Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Je sais, je tourne samedi parce que, vu que c'est bientôt les vacances, je vais faire presque des vidéos tous les jours. Bon, et il y a le petit décor avec le petit ballon de l'Euro 2016, mais bon. Et aussi, il y a eu les matchs de la Coupe du Monde féminine sur 4-0 pour l'équipe de France face à la Corée du Sud, 3-1, 1-0 de l'Allemagne contre la Chine et 3-1 de l'Espagne contre l'Afrique du Sud. Et le premier carton rouge de cette compétition était pour l'Afrique du Sud. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Sur un petit album, plus quelques boosters de l'Euro 2020 pour les qualifications. Je vais ouvrir, désolé pour vos oreilles. C'est un livre sur spécial Mbappé. On sort les petits boosters. Voilà, regardez. Plus. Regardez l'album. Plus. Regardez toute l'équipe de France. Voilà, vous avez vu toute l'équipe de France. Franchement, c'est une équipe qui, dans la bonne panini, n'a pas eu 10. Ils ont eu un sans faute. Et en plus, il y a même l'album Panini pour le Tour de France, bien sûr. Il y a même des posters. Et aussi, il y a aussi, regardez, l'album, les qualifications pour l'Euro 2020. Franchement, cet album, il me plaît. Voilà. Il y a plus un petit truc, regardez. Il y a un petit poster. Il y a un petit truc. Bon, on va passer au booster. C'est parti. On va se retrouver là tout de suite. Re les amis, on se retrouve. J'ai eu deux cartes collector. J'ai eu Ivan Perisic. Trop belle. C'est un attaquant. Et Marco Reus. Attaquant aussi. Il peut jouer aussi au milieu. Très belle carte. Les deux boosters. Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas dans les commentaires de marquer les pires conneries en cours que vous avez eues parce que j'ai besoin de faire une vidéo. Donc, s'il vous plaît, marquez-moi vos pires conneries en cours que vous avez faites. Et plus je vous raconterai ma pire connerie que j'ai faite, c'était en CM1. Enfin, j'ai pas vraiment fait la bêtise, mais je vous dirai qu'est-ce que j'aurais pas dû faire. Allez! Oh, un gardien, ça commence bien. On espère c'est Hugo Lloris. Non, c'est Kasper Schmeichel. En fait, j'y croyais parce que la dernière fois, j'ai eu Hugo Lloris et j'ai dit je voulais Hugo Lloris un milieu. Jolinho. C'est Jolinho qui joue à Chelsea. L'Italie. Il y a eu le Danemark, il y a eu l'Allemagne et la Croatie. Je vais citer quand même les nationalités. Lars Schön du Danemark, super joueur qui a fait une super saison avec l'Ajax. Dernier paquet, suspense. Allez, c'est du suspense, mais incroyable. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Regardez le paquet déjà. Avec Cristiano Ronaldo, Mbappé. J'espère que je vais avoir Mbappé. Enfin, c'est pas mon joueur préféré. Enfin, c'est l'un de mes joueurs préférés. Même si le PSG, c'est pas une équipe que j'aime. Enfin, j'ai rien contre vous, les Parisiens. Mais moi, mon club de cœur, c'est l'Olympique de Marseille. M'insultez pas dans les commentaires parce que. Enfin, dédicace à vous, les Parisiens, déjà. Mais. Vous inquiétez pas, les Parisiens. J'ai rien contre vous. Vous supportez ce que vous voulez. Vous inquiétez pas. En plus, il y a un Parisien, c'est Aftex Gaming, qui aime le PSG, qui a même un survêt. Dédicace à toi, Aftex. Ou plutôt, Ilias. Attaquant. Ah, c'est du Pigalton, Lawrence.
défenseur Mats Hummels, défenseur que j'ai aussi en Soccer Stars. Et puis, yes! J'ai Frankie de Jong! C'est génial, j'ai Frankie de Jong! Il fait une super saison avec l'Ajax. Il a signé au Barça. Bon, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi, n'oubliez pas dans les commentaires les pires conneries en cours. On se retrouve tout de suite. Re, les amis, je fais un récap. Frankie de Jong, Mats Hummels, Pays-Bas, Allemagne, Pays de Galles, Tom Laron Wens, Lars Schön, Danemark, Julinho, Italie, Ivan Perisic, Croatie, Kasper Schmeichel, Danemark, et Marco Reus, Allemagne, qui joue à Dortmund, et plus le mini ballon Euro 2016. Bon, j'espère que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Au revoir tout le monde pour de nouvelles vidéos et drama. Désolée pour ce fail, mais au revoir tout le monde pour de nouvelles vidéos et drama.